Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes très très contents pour nous venir avec nous. Et Monseigneur Thomas Roski, archevêque Cabaye et archevêque Mahami, pour entretien dans la radio Télé-Sida. Comme nous connaissons que Monseigneur Roski, c'est lui-même qui est pionnier communauté haïtienne dans Mahami, que lui-même qui est en train de dire que ce n'est pas la communauté accueillie. Maintenant, notre vue là, Libal dit nous vraiment qui gère que là c'est petit papa. Qui va que nous très très content pour nous gagner entrevue ça tout. La bien pour passer dans la radio Télé Solidarité et la bien pour passer dans la radio Télé Soleil en Haïti. Et côté peuple côté mon cher Roski aller plusieurs fois en Haïti. Qui va que depuis ma ami n'a dit bonjour et mon seigneur Roski. Bonjour, content pour là avec vous. Bon mon cher Roski que entrevue ça nous faire avec vous c'est nous voulons parler de communauté haïtienne dans Mahami qui j'en ça a été commencé parce que réellement que nous connaît que Jodia n'a pas de Mahami Jodia n'a pas de travail qui fait mais nous connaît que t'es mon pionnier t'es mon papa est-ce que vous dire nous qui j'en ça a été commencé bon en tout cas moi même de rencontrer avec la communauté haïtienne là pour la première fois dans l'année 77 ou bien 76, l'un des sacrés couettes, et puis on devait travailler dans une paroisse, côté, à l'époque, de gagner une messe haïtienne, seule messe haïtienne à toute Floride, et puis, comme ça, l'un des, la paroisse là, de commencer à apprendre deux, trois mots en créole pour être capable de s'allier haïtien, ou l'un assister à la messe, et puis, c'était dans l'année 78 d'assister en cours dans le Créola. Et puis, avec ça, à Haïti, deux semaines d'envoyer la charité, une maison de retraite, côté d'assister en messe et en retraite à Créole. Et puis, on tournait à Miami, continuer à étudier Créola. Et puis, en 79, on allait à Haïti pour trois mois, dans la zone 16, tout près au Caï. Et puis, le tournée en septembre 1979, Monseigneur McCarthy, archevêque Miami à l'époque, l'idée de moi-même travailler avec la communauté haïtienne là. Et puis, d'après travailler ça, pendant 18 ans jusqu'à janvier 1998, j'ai commencé à travailler moi comme évêque auxiliaire ici dans Miami. Bon, mais avant ça, moi, premier haïtien, ou bien, regardez, bon, je suis toujours bien haïtien dans Miami, mais la communauté a commencé à grandir à partir de 73. Et puis, dans l'année 73, il y a un bateau qui a baqué dans la zone Pompano Beach, un bateau avec haïtien. Haïtien, ça n'a pas été sorti directement sur la Haïti, il est passé par Bahamas. Et puis, la même année, ça, Bahamas n'est pas indépendance, ni, et puis, il y a une colonie en Angleterre. Et puis, le Bénin ou bien indépendant, il y a un sentiment qui est présenté contre Haïtien. Et puis, Haïtien n'a pas été senti trop à l'aise, la carrière, et puis, il a commencé à. Et puis, j'ai commencé à venir à Miami. Et puis, le 79, j'ai la communauté a déjà planqué. Et puis, dans l'année 80, j'ai grandi à pile. Et puis, on y a grandi dans l'État Floride. Il y a trois langues qui dominaient anglais. Et puis, créole. Et puis, même l'État Floride reconnaît ça. Par exemple, au monde aller ou voter dans son pays, il y a joint dans le vote là, instructions écrites dans trois langues, anglais, espagnol et puis créole. Bon, qui est-ce que vous avez dit de Saint-Pierre Toussaint? Et qui est-ce que vous avez réellement motivé pour créer ou bien défendre Saint-Pierre Toussaint?
Bon, en tout cas, nous avons répondu à Saint-Pierre Toussaint dans 80, et puis en Aguerre, nous avons répondu à l'église Notre-Dame d'Haïti. Bon, nous croyons, ça qui est important, nous croyons, nous devons nécessaire pour la communauté haïtienne visible pour l'église catholique là. Et puis pour l'église catholique là, visible dans la communauté haïtienne là. Nous sommes la même année, dans l'année 80, de arrivé dans Delray. Et puis Delray, c'était pour garder près de 60 miles dans le nord de Miami. Et puis nous commençons à réunir avec un petit groupe haïtien à l'époque pour Johnson, pour faire la messe pour eux. Et puis ils ont dit parler de l'église catholique dans la boucle. Bon, il y a une église catholique, mais parce que l'église catholique, c'était une église côté, ils parlent anglais seulement, c'est une église côté blanc, ils disent qu'on allait. Haïtiens, on va connaître l'existence de l'église, on va dire que l'église est invisible pour eux, et puis Haïtiens, on est invisible pour paroisse ça. Qui fait Saint-Pierre Toussaint, et puis après Notre-Dame d'Haïti, c'est une façon pour assurer. L'Église là, qui est en présence dans les deux communautés haïtiennes, hein, pour ne pas paraître pour un bagage étrange, un bagage pour étrangers, mais pour haïtiens eux-mêmes, et puis en même temps, pour faire haïtiens en place en dedans l'Église locale à Chité-aux-Sèvres-Miami. Bon, est-ce que vous pouvez dire que l'organe que comité communauté a été fondé en 1978, et que je ne le dis pas que nous sommes des pères, et au même vice général, que c'est un haïtien que Dieu. Vous pouvez nous dire qui joue à gagner, je ne le dis pas. Oui, bon, gagner, vice général, moi, c'est Monseigneur Chanel Gentil, c'est vice général depuis tout le Miami comme archevêque, et puis en même temps, tout le monde, c'est qui veut une paroisse haïtienne, pour dire, bon, il y a un panneau là-dedans, il y a quelques blancs qui l'étaient dans son âme. Mais l'église paroisse Saint-James. On a nous avons plusieurs paroisses en plus de Notre-Dame d'Haïti, côté haïtien, qu'on a réuni pour faire la messe. Il y a Sacré-Cœur dans Homestead, bon, tout le Notre-Dame, il y a cathédrale là, il y a Saint-James, il y a Holy Family, il y a Saint-Clément, il y a Saint-Joseph dans un Pompano, il y a Saint-Barthélemy. Donc, Chris Roy, tout paroisse a eu gagné la communauté haïtienne. Et puis, il y a plusieurs haïtiens qui travaillent ici. Et puis, il y a des haïtiens qui travaillent dans la communauté haïtienne. Et puis, il y a quelques haïtiens qui, parce qu'ils ont parlé espagnol bien, qui travaillent dans d'autres paroisses. Tout. Mais c'est quoi avec le premier haïtien qui a gagné dans la journée de jeudi? Mais oui, c'est une grosse communauté haïtienne. Dans la Floride, la communauté haïtienne a dépassé 300 000. 300 000? Mais oui. Bon, et que, Monseigneur, est-ce qu'il vous connaît que nous allons faire un tour avec vous pour nous faire la grande question sur Haïti? Parce que nous connaissons Haïti assez souvent. Ou c'est une norme influente proche. Est-ce que vous dites qu'il travaille proche à faire en Haïti? Bon, proche, c'est une bureau qui est dans la conférence épiscopale évêque haïtien. C'est un bureau côté supervisé, construction qui a fait pour rebâtir l'église avec l'école qui est écrasée à cause du tremblement de terre 2010. Là. Et puis, la conférence évêque des États-Unis qui a participé là-dedans, même genre pour Albéniat qui sont en Allemagne, la France toujours comme bah écoute mais et tout. Et puis comme ça nous voulons habiller proche pour construction qu'a faite après tremblement de terre. C'est une construction solide qui est capable de résister cyclone ou qui est capable de résister l'autre tremblement de terre. Parce que là nous regardons bien là. Comme le tremblement de terre, ça a été vivé à Haïti en 2010. En bien, nous mourons, 300 000 personnes ont dit mourir dans le tremblement de terre. Et bien, ça qui détruit mon sérieux, ce n'est pas tellement terre qui tremblait,
c'est mauvaise construction qui te gagne la pays. La même manière, te gagne un tremblement de terre dans le pays Chili. Et bien, vous croyez dans le pays Chili, il n'y a seulement 200 morts mourir. Et bien, le tremblement de terre qui te frappe Chili, et puis pour le passé, ça qui te gagne ici. Et bien, après ça, tout, la même année, te gagne un tremblement de terre dans le pays où il est New Zealand. Et bien, il était fort dans le tremblement de terre dans le pays d'Haïtien, mais pas qu'un pièce qui était mouru dans le tremblement de terre. Pourquoi ça? Parce que quand il était bien conseillé, et puis on y a, surtout les amis de l'église haïtienne qui voulaient aider l'église là à une petite cotisation pour aider au rebâtir l'église là. Nous voulons, si n'a pas l'argent pour rebâtir l'église, nous voulons servir, nous voulons responsables pour ça nous partir qu'on y a, pas même la cause pour l'autre monde mourir demain. Demain, qui perd proche qui a un rôle très important pour civiliser le travail qu'a fait pour 6 mois, c'est une bonne qualité pour faire une bêté, pour faire une ligne pinceau. C'est bon, plus bonne qualité possible. Ou pas gagner, qui pas gagner, pas gagner, pas gagner, pas qui va. Parce que ça, ça va être dans la mort plus tard. Mais est-ce que nous avons reconstruit quelques églises déjà? Mais oui, Jérémy, par exemple, qui a une belle église, il y aurait les limons 5 polyvalentes parce qu'il y a servi à elle pour plusieurs. Pour plusieurs vies, mais elle est bâtie à Jérémy, et puis c'est dit qu'elle s'est mise comme cathédrale à Jérémy, je viens, mais nous avons droit de gagner une église qui est bâtie, ça c'est la première église qui est bâtie, après le tremblement de terre, on a une église comme une grande, vraiment des équivalents, elle est très contente avec nous, gagner un noviciat jésuite qui est bâtie, gagner plusieurs. Caïmer qui est rebâti, centre pour conférence religieuse haïtienne, proche des bâtiments, ça vient 2 ans de mise en travail à faire. On y a même un travail qu'a fait pour Sacré-Cœur, toujours, et puis on voit un travail pour Saint-Thérèse, Bétionville, c'est bien loin qu'on y a, que soit tout, pour le prince, travaille ça, encore de commencer, c'est pour bien les preuves pour commencer. Comme ça, il y a un travail qui fait. Comment tout le monde connaît, Haïti, c'est un lycée. Et puis, en mille fois, travaille la mission. La dernière fois, ça y est, par exemple, il y a un travail qui garantit, et bien, c'est pas parce que il y a une manifestation dans la rue, etc. Camion capoté 6 mois, capoté bloc, voilà comme ça, parfois il n'y a pas qu'à déplacer pour arriver côté ou pour arriver. Comme ça, toujours il y a un problème, mais la cruauté des mondes qu'il y a moins. Mais l'espoir fait vivre et puis quelques semaines de ça, il y a des béniers en nouveau l'église, la diocèse Jérémy, qu'on y a la témoin dans l'église à Chapelle, mais il y a des Monseigneur Saint-Tunet, des béniers, donc ouais, c'était le commencement de mois de mai, si vous ne m'avez pas trompé, ou bien appelez-moi à Mille. Dans Jacques Mel, il y a des béniers l'église à Jacques Mel. Tout près de Jacques Mel. Bon, que M. Anski nous connaît que vous êtes très, très occupé. Bon, nous ne connaissons pas vraiment sous mon message pour le peuple haïtien qui attend de vous, parce que vous avez dit, c'est pas pour la communauté haïtienne, mais ami, vous voyez. Bon, que ce soit mon petit mot pour dire sous ça. D'avoir mon message pour le peuple haïtien. Bon, d'abord, ça, c'est moi, vous êtes la pété qui dit haïtien, parce que j'ouvre peut-être la voie à tout, parce que vous êtes sur nous. Et puis, on voit la devise nationale là, toujours bien, toute importance, l'Union fait la France. Et puis, on est avec situation pays, avec situation politique là, situation économique là, on voit pays
la problème, et puis pour nous mettre de nous ensemble, pour nous faire ça nous capable. Il y a un problème qui dit comme ça, qui met les pistes, grand boucher. Et puis c'est triste parce que pour nous aimer Haïti, pour nous aimer, mais pour nous aimer avec un aimer qui bat d'accord, pour aimer d'accord, pour qui dit aimer Mango, pour aimer Mango, pour manger ou détruire, pour nous aimer Haïti, pour nous bâtir, pour nous faire. Une nouvelle vie en forme. Pour ça, ça c'est le message pour nous toujours mettre devant tout le bagage. Il veut que Monseigneur Wensky, que nous devons vous remercier pour entrevue ça, que nous sommes très très contents que nous te gagnons, mais que l'entrevue ça va passer là avec nous. La passe dans la radio Télé-Soleil en Haïti. Parce que nous avons fait un bon travail pour nous faire pour nous monter les visions et sur net que cette nationale là arrive fait et à travers Monsieur Zari avec un pilote monde qui aide nous. Bon, il va encore que nous dit téléspectateurs, téléspectateurs radio Télé-Solidarité, nous te gagnons avec nous aujourd'hui. Monsieur Thomas Wensky et papa communauté haïtienne et Nama Ami. Pour entrevue dans la radio Télé-Solidarité et que Monseigneur Wensky tout, c'est archevêque Mahami que lié. Encore une fois, un grand merci. C'était Frère Nous, Zaminou, Frère Buto, Bonator de radio Télé-Solidarité.